le 23 janvier 1968 à Savigny-sur-Orge. Il s'appelle Michel Moignard. Dites-moi, Karim. Ah, bonjour, capitaine. Bonjour, vous avez pas reçu pour moi un courrier de la préfecture? Ah non, rien du tout. Vous êtes sûr? Oui, capitaine. T'avais décidé de faire la grasse mat? Ou c'est Céline qui a pas les moyens de te payer un réveil? Café turc? Marocain. Je l'ai dit à monsieur le commissaire, il faut changer le fournisseur. Ça, c'est un café que ma mère prépare tous les jours. Tu connais le téléphone arabe? Enfin, tu fais pas ça pour lui. Salut. Hein. Si tout le monde apprend dans les PJ voisines que j'ai une histoire avec une substitue, je vais avoir l'air de quoi? Il est pas au courant, moi. Fournier, Leonetti, on attend plus que vous. Chier, ouais. Ah, tes vacances? T'as pas trop manqué? Toi, non, pas trop. Tu peux rendre des cafés? Merci. Alors, Captain, ce café, comment vous le trouvez? Très turc. Marocain, marocain. Ouais, ça va, ça va. Bon. Alors, je voulais voir ce matin pour vous dire que, puisqu'il faut que je pense à mes vieux jours et que toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai décidé de prendre ma retraite. Oh. Non. Attendez, patron, c'est une blague? Ça, c'est le meilleur d'année. C'est presque aussi marrant que ce que vous avez sur le dos. C'est parce que je reviens que vous avez envie de partir, patron? Non, moi, écoutez, ça va, ça va. J'ai décidé de prendre ma retraite, mais j'ai pas dit quand. Voilà, alors vous oubliez pas, vous risquez de m'avoir sur le dos encore un bon bout de temps. Ah. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pars avec Simone à la campagne pour visiter une maison. Bon, je serai de retour ce soir. Hein. Alors, pendant mon absence, je confie la boutique au commandant Lamougie. C'est clair, ça? Ah, pour moi, c'est clair. J'espère que ça l'est pour tout le monde. Oui, Fournier, quand vous serez commandant, j'aurai peut-être les choses différemment, mais pour l'instant, étant donné que c'est le plus gradé, je confie cette mission au commandant Lamougie. Voilà, c'est clair, Fournier? J'ai rien dit, patron. Quant à ces fringues ridicules, là, c'est une invention de Simone. Elle trouve que ça fait campagne. J'ai bien essayé de lutter, mais vous connaissez le pouvoir de femme. Ah, pas Satan, j'ai une ado qui s'est fait mordre par un chien. Je m'en occupe. Je viens avec toi. Merci. Bon, allez. Bonne journée à tous, hein. Oh, pardon. Vous cherchez le commissariat? Oui. Je voudrais voir quelqu'un pour signaler la disparition de mon fils. Le lieutenant Leonetti. Je travaille ici. Charon. Laetitia Charon. Je vais m'occuper de vous. Merci. Bernard? Bouge pas, Vincent, je te vois là. Ah, d'accord. Lamougie commence vraiment à me gonfler. Hein. À qui le dis-tu? Son arrogance de bourge, moi je peux plus. Vivement que tu passes commandant. Tu le sauras quand? J'attends toujours le papelard de la presse. Fournier, PJ Saint-Martin. Alors? Bah, c'est une môme de la cité. Elle est baladée avec son kleps. Mais il y avait un autre chien sur le terrain vague. Un gros. Un Rottweiler, elle nous a dit. Mais elle est sûre de la race. Il les a vus, il s'est jeté sur le cocker. Elle a voulu les séparer, mais le gros l'a mordu. Après, il s'est barré. Des témoins? Non. C'est nous qui l'avons entendu crier. On faisait une ronde dans le quartier. Faut dire qu'ici, il n'y a jamais foule, hein. C'est un coin junkie. Quel âge est-il? 17 ans. On a prévenu ses parents? Oui, son père. Un maçon, il travaille sur un chantier. Il devrait pas tarder. Il s'appelle comment? Garbet Charlotte. Il l'emmène à la Riboisière pour la recoudre. Bonjour Charlotte, je suis capitaine Fournier de la police. Ça va aller? Alors t'es sûr, le chien, c'était un Rottweiler? Oui, oui. Il était noir et feu. Avec les oreilles qui tombent, je connais bien ces chiens-là. Ils sont dangereux. Il y avait personne avec lui, il n'avait pas de maître? Non, non, il était tout seul. C'est bizarre ça, normalement les chiens errants c'est des bâtards, c'est pas des chiens de race. Ça coûte cher, tu sais, un Rottweiler. Il était tout seul. Bah, il a dû s'échapper de chez lui. Il venait d'où quand il t'a attaqué? Hein, de par là? Oui, oui. La cité Paquin, c'est un chien de la cité? Non, il venait de par là. Il venait de ce côté-là. T'es sûr? Je sais plus. Je roule à temporaire. Une équipe, un passe-Satan. Merci beaucoup. Je viens d'appeler la Fouria pour qu'ils embarquent ce qu'il en reste. Tu parles d'un endroit pour se balader seul. Belle comme elle est, elle a peur de rien. Hein. Si, mais de quoi, ça, je ne sais pas. Charlotte! Charlotte! Ça va? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi, ça? Ne vous en faites pas, monsieur Garbet. Ça n'est qu'une petite blessure. Il l'emmène à la Riboisière pour la recoudre. Ouais, c'est ce fils de pute, hein! Je sais, il peut pas me saquer, sale nègre, avec son pute boule, je sais que c'est son chien. Calmez-vous, monsieur Garbet, de qui parlez-vous? De mon voisin, déjà qui me pourrit tous les dimanches avec ses odeurs de bouffe, lui et sa tribu de négro. Bon, ça suffit, Garbet, ou je vous embarque pour incitation à la haine raciale. Vous allez nous donner les noms et adresses de votre voisin de couleur. Ah bah, et comment, tiens? Voilà. Je peux aller voir ma gamine à l'hôpital, maintenant?
Oui, mais vous passerez après la PJ Saint-Martin pour déposer une plainte. Bah, je vais me gêner, tiens. Hé hey oh hey. On n'a plus de thé? Bien. Vous êtes donc sûr de n'être lié à aucun parti politique, de n'être membre d'aucune secte et de n'avoir aucun ennemi? Oui, oui, c'est exact. Mais Madame Charron, dites-moi, votre fils Cyril a disparu depuis 2 jours. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir avant? Parce que je pensais à une fugue insignifiante. Cyril a 16 ans, c'est un âge difficile. Je pensais qu'il s'était disputé avec sa petite amie ou avec un copain. Des histoires d'adolescents. Il était tendu ces derniers jours. Vous vous êtes renseignée? Oui. Je connais tous ses amis. Il n'y a aucun problème. J'ai appelé l'école aussi. Tous ses professeurs l'adorent. Il est premier partout. Désolé, on n'est pas riche en thé. Merci, ce sera très bien. Et Candice, sa petite amie, m'a assuré que tout allait très bien entre eux. C'est pour ça, je comprends pas. Et comment sont vos rapports avec Cyril? Oh, ils sont excellents. Nous sommes très liés l'un à l'autre. Nous parlons beaucoup. Je suis très vigilante avec lui. On n'a pas de sucre? Merci. D'ailleurs, depuis la mort de mon mari, il y a 1 an, le beau-père de Cyril, nous nous sommes encore rapprochés. Vous savez, je suis attachée de presse pour un magazine féminin. J'ai un bon train de vie et beaucoup de temps à consacrer à mon fils. Je crois pas que le problème vienne de moi. Le père de Cyril, Madame Charron, vous n'en avez pas parlé? Le père de Cyril est mort à sa naissance. Un accident. Ses grands-parents paternels sont également décédés. Et mes parents aussi. En fait, il n'y a que moi comme famille. C'est pour ça que je comprends pas. On va lancer un avis de recherche. Cyril porte votre nom ou encore celui de son père? Celui de son père, Morvan. Morvan avec un T? M-O-R-V-A-N-T, oui. Vous nous avez dit qu'il avait son portable, c'est bien. Comme ça, s'il appelle quelqu'un, on pourra le localiser grâce aux bornes d'appel. Bon, bien. Bah, vous allez rentrer chez vous maintenant et réfléchir à ce que faisait Cyril ou ce qu'il projetait de faire juste avant sa disparition. Vérifier ce qu'il aurait pu emporter avec lui, les habits qu'il a mis, voyez son agenda et les derniers rendez-vous. Le moindre détail est important. D'accord? D'accord, merci. Au revoir. Je passerai à votre domicile dans la journée pour vous aider à trouver des éléments. José? On a l'habitude de faire ça. Merci, c'est gentil. Au revoir. Résidence Aramis. Qu'est-ce que tu fais? Je prévois. L'autre jour, un légiste m'a montré ce qu'un pitbull avait fait à un mec de 80 kilos. Je te jure, l'autre chien à côté, il s'en sort bien. Bonjour, capitaine Fournier, lieutenant Poret, PJ Saint-Martin. On voudrait voir monsieur Oyabi. Ah, c'est mon père. Il travaille au supermarché, à la caisse. Oh, qu'est-ce qui se passe? On enquête sur l'agression d'une jeune fille qui s'est fait mordre par un chien. Votre voisine, Charlotte Gardin. Tais-toi, Ariane. Charlotte? C'est pas grave, moi. Tu vas peut-être pouvoir nous renseigner. Ça t'ennuie si on rentre un instant? Non, non, entrez. Dis-moi, Mamoré, tu connais quelqu'un qui a un rottweiler dans la cité? Non. Et ce matin, en promenant ton chien, t'aurais pas croisé un chien errant? Non, franchement, non. Non, t'en as pas croisé? Non, j'ai pas pu en voir un, j'ai pas promis à Ariane. Tu l'as pas sorti pisser? Non, c'est mon père qui la sort avant d'aller au boulot. Moi, j'ai plus le droit, je suis mineur. À cause des Nouvellois, c'est la chaîne d'attaque. Et Ariane, c'est un pitbull, alors. Et là, c'est une autre pièce? Oui, c'est la salle de bain. Donc ça sent le chien mouillé? T'as fait prendre un bain à Ariane? Oui, je l'ai lavé parce qu'elle était sale, elle s'est traînée dans la boue. Dis-moi, tu peux joindre ton père à son travail? Tu lui dis de passer au commissariat dès qu'il peut. Avec Ariane et ses papiers, c'est juste pour vérifier qu'elle est en règle, c'est tout.
Oui, je suis désolée, hein. Je viens juste de le trouver, mon studio, alors je me suis bourrée d'adresse. Attendez, vous allez pas me livrer à la PJ, c'est ridicule. Oui, il est déjà parti, votre livreur ? Non, c'est bon, je me débrouillerai. Franchement, je sais pas si le gosse et son klebs ont quelque chose à voir avec ça. On va commencer par chercher les proprios de Rottweiler dans le quartier. Toi, appelle la mairie, ces chiens-là sont forcément déclarés. Moi, je me colle la SPA et la fourrière, vérifie leur moisson du jour. Ok. Alors, tu lui as retrouvé son môme à ta conquête ? En tout cas, il est pas à la morgue. Les ostos, pour l'instant, ça donne rien. Ah, si tu vérifies ville par ville, t'as pas fini. Non, je serais toi, j'irai d'abord fouiner chez elle pour me faire une idée. C'est con. Vas-y, je continue les recherches. Et puis, je suis sûre qu'elle a envie de te voir seule, ta belle Laetitia. Dis-moi, Agathe, t'en es où du classement des archives de l'an dernier, là ? J'ai fini, Franck, je te les apporte. Bah, tu vas où, Bernard, là ? Chez Laetitia Charon. Et la recherche, t'en es où ? Je crois qu'il faut d'abord qu'il aille chez elle s'il veut des indices. Attends. Si j'ai besoin de ton avis, je te le fais savoir, d'accord ? Téléphone, commandant. Vas-y, Bernard, avec ça, prenne pas la journée, alors. Je suis désolé de ne pas être aux ordres du grand patron, mais je pourrais pas venir. Non, père, ne comptez pas sur moi pour votre conseil d'administration. Mais vous avez ma signature, que je sache, père. Ça tombe très bien, parce que moi aussi, j'ai autre chose à faire. Voilà, c'est ça, alors à bientôt. Tu feras pas, rentrer. Les archives, je te les pose où ? Voilà, ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour ta gouverne, j'ai pris sur mesure de récup. Pour terminer ce classement, est-ce qu'un simple merci t'écorcherait la gueule ? Merci, capitaine Monnier. Mais pour ta gouverne, je te signale que ce truc-là aurait dû être fait depuis des lustres, qu'on n'est pas à l'école et que moi, je suis pas là pour distribuer les bons points, c'est clair ? Connard. Mais c'est bon, arrêtez, là. Vous êtes bouché ou quoi ? Comment vous voulez que je ramène ça chez moi ? Je vous parle. Je le signerai pas, le bon de livraison. C'est pas mon problème. Au revoir, madame. Mais tu veux que je te le dise en rebeu ou quoi ? Ici, c'est pas un hôtel, on réserve pas de chambre. Le seul truc que je peux faire, madame, c'est vous coller en cellule, mais 2 jours maxi. Autant d'une garde à vue. Mais je comprends, madame, un hôtel, ça sera plus classe. Au revoir, madame. Bah, comment vous allez faire ? Si je le savais, je me serais pas engueulé avec cet abruti. Ah, si vous voulez, je peux appeler mon cousin, il travaille à la boutique de son père. Et il peut venir avec le break pour vous dépanner. On embarque tout et comme ça, ce soir, nickel, vous dormez chez vous. Ah oui, c'est vrai, ce serait vraiment sympa, quoi. Vous avez du bol parce que le break, on l'a nettoyé hier soir. On a fait un michu dimanche. Et comme on voulait pas se faire pécho dans la cité, on a égorgé un agneau dans le break. Il y a du sang partout. Dans le break ? Ah bon ? Mais non, je rigole. C'est juste pour vous dire que chez les rebeux, il n'y a pas que de la racaille et des nectarums, il y a aussi des gens bien qui peuvent rendre service. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que je sais bien que vous êtes raciste. Et qui vous a dit ça ? Personne, ça se voit. C'est dommage parce que moi, je vous trouve vachement cool. UG Saint-Martin ? Un instant, s'il vous plaît. Alors, pour mon cousin, c'est OK, je l'appelle ? Oui, je veux bien, merci. Allô ? Je me souviens maintenant. Cyril voulait partir en Italie avec des copains. Il devait refaire sa carte d'identité qu'il a perdue. Il allait faire la demande, mais il n'avait encore rien fait. Sans papier, ça prouve au moins qu'il n'est pas parti à l'étranger. Et vu le foutoir qui règne dans sa chambre, ça prouve que son geste n'était pas prémédité. Croyez à une fixure, un coup de tête ? Attention à la marche. Peut-être. En tout cas, il n'a pas eu d'accident. C'est bien rassurant. Vous voulez un café avant de partir ? Merci. C'est agréable, cette terrasse. Ouais. Mon mari. J'ai été saisie ce matin en vous voyant. Vous me faites tellement penser à lui.
La vie est devenue tellement difficile depuis sa mort. Bon, je vais vous laisser. Je vous tiens au courant. C'est trop tôt pour moi. Pardon, excusez-moi. Merci, lieutenant. Merci de quoi ? Vous m'avez montré que j'étais encore une femme désirable. Laetitia, vous êtes la femme la plus désirable, la plus séduisante que j'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. Je vous appelle. Ça va. Les papiers d'Ulysse sont en règle. Évidemment qu'ils sont en règle. Vous nous faites assez chier avec vos lois à la con. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouvait Ulysse ce matin? Mais dis-lui, Ulysse, où t'étais ce matin? Désolé, mais Muselet ne peut pas trop la ramener. Hein. Écoutez, monsieur, j'y suis pour rien. Le ministère de l'Agriculture a fait voter une loi, à vous de la respecter. Le code rural a établi une liste de chiens susceptibles d'être dangereux. Le Rottweiler, qui est un chien de défense, en fait partie. Dangereux, mon cul, hein. Y a pas de mauvais chien avec des mauvais maîtres. Un chien, il est agressif quand le roi est agressif, point barre. Parce que là, vous n'êtes pas agressif. Madame, s'il vous plaît, dépêchons-nous, asseyez-vous. Et dites-moi si ce matin, entre 9h et 10h, vous étiez dehors avec votre chien, Max. Mais non, on se lève pas avant midi. Au fait, vous n'auriez pas un peu d'eau pour lui? Les antidépresseurs lui donnent soin. Capitaine! Monsieur Ouyabi est là. Couchez, couchez! Mathieu, vous prenez la déposition de madame et trouvez-lui une écuelle et de l'eau pour son chien, s'il vous plaît. Vous pouvez pas faire taire les chiens, là? C'est son pitbull qui l'énerve. Laisse-moi ton bureau pour que je l'interroge, t'as qu'à prendre le bureau du taulier, mais c'est toi le chef, hein, maintenant. Merci de ne pas l'oublier, capitaine. Hein. Par ici, monsieur Ouyabi. Vous placardez ces photos partout. Boutique, magasin d'alimentation, poste, école, PJ voisine. Merci. Agathe, est-ce que tu pourrais prendre la déposition de ce monsieur? Je dois interroger un type avec Vincent. Alors, il faut juste savoir où il se trouvait ce matin entre 9h et 10h avec son chien. J'ai du boulot, moi. Je te remercie. Bon, je sais quoi, moi, bordel. Mon chien aussi, il a soif. Bah, d'abord, vous vous calmez. Il vous manque un papier du vétérinaire, monsieur Ouyabi. Cet article du code rural stipule que désormais les pitbulls doivent être stérilisés. Le voici. Pauvre bête, muselée dans la rue, interdit dans les lieux publics et les transports en commun. Même mon fils qui est mineur peut pas le promener. Et maintenant, il peut plus se reproduire. Yo, et si on vous coupait les couilles à vous? Nous, on n'éventre pas de chiens. Et on ne tue pas d'enfants, monsieur Ouyabi. C'est ça, toujours la même rengaine à cause de quelques irresponsables. Alors vous, monsieur Ouyabi, qui êtes un homme responsable, est-ce que vous pouvez nous affirmer que votre fils Mamoré ne promène jamais votre chien tout seul? Jamais. J'aurais trop peur qu'on m'enlève Ariane. Pourquoi? Parce que votre voisin... Quel voisin? Monsieur Garbet. Prétend que c'est votre chien qui a attaqué sa fille. Salaud. Mais Garbet est une pourriture raciste. De toute façon, ils sont tous racistes dans le quartier. Ma femme est morte d'une dépression après avoir été violée par deux blancs. Elle s'est suicidée. Et c'est des gens comme Garbet qui l'ont tuée. C'est pour ça que vous avez un pitbull? Pour vous protéger? Correctement. Comme ça, personne ne vient me faire chier. Et vous l'avez dressé au mordant, c'est ça? Vous l'avez dressé pour attaquer? Non, c'est bien que c'est interdit. En effet, monsieur Ouyabi, c'est interdit. Bon, ma pause déjeuner est terminée, il faut que je retrouve ma caisse. Mais avant, il faut que je dépose Ariane. Je vais être en retard. Je peux? Viens, mon bébé, viens. Oh là, il a pataugé, le chien. Il m'a bavé dessus, c'est dégueulasse. Enfin, leurs alibis sont nickel. Ulysse est avec son maître dans son club de dressage. Et une voisine a entendu la dépressive et Max ronfler jusqu'à midi. Merde, c'était les deux seuls rottweilers du quartier. Je te remercie pour le coup de main, je t'adore. Dis ça à ta femme. Je suis garbé pour vous.
saloperie. T'as de la chance qu'on est chez les flics. Ça veut dire quoi, ce clin d'œil? C'est en rapport à une blague raciste, hein, monsieur Garbet? Dites-nous ce que c'est qu'un blanc qui fait un clin d'œil à un noir. Tireur d'élite, hein? Ouais, bah t'as un carrasse que ta merde de chien, elle touche pas à ma fille. Parce que sinon, je le tuerai moi-même. Calmez tous les deux, sinon je vous coffre, hein. Tu prends la plainte de Garbet. Vous, vous ramenez rien de chez vous. Je veux pas qu'elle sorte avant que j'ai eu d'autres informations, c'est clair? Allez. Au revoir, monsieur. Bah, je sais pas, tu dis toi-même que le gosse te cache quelque chose. C'est peut-être lui et son chien qui sont allés attaquer la voisine. Ça m'étonnerait. Si Mamoré nous ment, c'est pour autre chose. À mon avis, il promène son chien en cachette de son père parce qu'il l'adore, c'est tout. Et le fait qu'il ait lavé avant vous débarquer, bah, si son pitbull a massacré le caniche avec tout le sang qu'il devait se trimballer, ça lui faisait de bonne raison de l'estiquer un peu, là. C'est pas un mot agressif. Je le vois pas lâcher son chien comme ça juste pour aller en tuer un autre. Non, mais tu le vois pas toi. Mais si ça se trouve, la petite Charlotte, Mamoré la menace, elle a peur de parler. Après tout, les pères se détestent, pourquoi pas les gosses? Si elle a peur, c'est quelqu'un d'autre. Je vais l'interroger à l'hosto. De toute façon, maintenant qu'on a auditionné Oyabi, si on harcèle son fils, on va nous taxer de racisme dans le quartier. Mais je me fous de ce que les gens pensent. Ce que je veux, c'est que l'enquête soit bien menée, c'est tout. J'ai pas l'habitude de bâcler mes dossiers, commandant. Ah, ok, c'est toi qui vois. J'espère que tu te gourres pas. Toujours rien du côté des hôpitaux. Moi, j'ai une piste avec la remontée des appels. Cyril a passé deux coups de fil de son portable hier. Ouais. Et c'est qui les correspondants? Il y en a un qui s'appelle Bardin, je lui dis de passer, c'est le gardien chef du cimetière Saint-Martin. L'autre, je sais pas encore, je vais appeler. Mais qu'est-ce que tu sens, toi? Rien. Oh là là, ça cocotte. C'est quoi cette odeur? Justement. On y va? Vincent. Je t'attends, hein. Écoute, j'ai fait une connerie chez Laetitia Charron. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais excité, je vais rouler une pelle. Attends, t'es malade ou quoi, faire ça avec une cliente? Attends, imagine qu'elle soit dingue ou qu'elle ait tué son gosse. Imagine qu'elle aille se vanter, qu'elle ait une histoire avec un flic. N'importe quel baveux merdique l'a fait aussitôt libérer sur parole. Je sais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah bah, mademoiselle Chloé. Capitaine, votre petite amie a appelé, là, madame la substitut. Il faut que vous la rappeliez. Et bah quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Merci pour la discrétion, Bernard. Je voudrais voir ta gueule, moi. Si je balançais à tout le monde que tu te tapes les clientes sur lesquelles t'enquêtes. Hein? On y va? Ah, j'ai mon cousin qui est là. Et pourquoi t'es venu, mon oncle? C'est à cause de Aziz, ton imbécile de cousin. Il a perdu son permis. Il fallait que je conduise le break. Bonjour, mademoiselle. Je suis Mouloud, l'oncle de Karim. Alors, c'est vous qu'on doit dépanner? Bonjour. Désolé pour le dérangement. Non, c'est un plaisir d'aider la petite amie de mon neveu. La seule chose, c'est qu'on est sur le marché depuis ce matin. On peut manger un petit truc en face avant d'y aller? Ouais, bien sûr. De toute façon, moi, je travaille ici toute la journée. Merci, ma fille. Tu es gentille. Et alors, mon Karim, tu travailles bien? Très bien. C'est vrai, c'est un bon petit. T'as bien fait de choisir. C'est pas toi qu'on choisirait. Toujours tête en l'air et feignant avec ça. Allez, viens, Aziz, on va déjeuner. C'est quoi le bouffon que t'as raconté à ton père sur mademoiselle Chloé et moi? Bah, je croyais, tu m'avais dit. Tu viens, Aziz? Je vous jure, mademoiselle Chloé, j'ai rien dit, moi. C'est ce bâtard qui... C'est bon, mon Karim, laisse tomber, c'est bon. C'est moi qui ai examiné la petite Garbet. Elle a pas seulement été mordue, elle avait du sang sur les cuisses. Elle a eu un rapport sexuel, c'est sûr, elle veut pas en parler. Elle a été violée? Sans ecchymose au bas-ventre, ni déchirure de l'appareil génital, en l'absence de sperme. C'est difficile d'appeler ça un viol. Mais vu les circonstances, elle était vierge, et l'endroit où ça s'est produit, on peut pas l'exclure. Excusez-moi. On va la voir. Un type précautionneux qui l'aurait violé avec un préservatif. Et sous la menace d'un chien, ça fait beaucoup. Vous avez intérêt à le trouver avant moi, l'enculé qui a fait ça, sinon je le crève. Venez, monsieur, sortez. Sortez. Charlotte. Écoute, t'as rien à craindre. On est là pour te protéger. Si tu sais quelque chose, tu dois nous le dire. On m'a rien fait. Je l'ai dit au docteur, c'est parce que j'ai mes règles. Si tu ne nous dis rien, celui qui a fait ça va recommencer. Et peut-être avec toi. J'étais toute seule. Laissez-moi. Écoute, Charlotte, il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais dans ce terrain vague? C'est sale et dangereux. Il y a d'autres endroits pour se balader dans la cité. Pourquoi là-bas? Je sais pas, comme ça.
Y a quelqu'un qui t'a forcé à aller là-bas? Non, j'étais toute seule. Tu connais Mamoré? C'est pas lui, il a rien fait. Si c'est lui, on le saura très vite. On va envoyer sur place une équipe de l'identité judiciaire. Leur travail est de relever les empreintes. Si on découvre celle de Mamoré, on aura... Non, laissez-le, il a rien fait. Pourquoi tu le protèges? Il te fait si peur que ça? Non. Non, il est gentil. Il est gentil. Dis-moi, Charlotte, Mamoré, ça serait pas ton petit copain par hasard? Si. Mais vos pères sont pas au courant? Non, parce qu'ils se détestent. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Mamoré et toi? 2 ans. Ce matin, on promenait nos chiens tous les deux. On faisait souvent ça en cachette de nos pères. Les chiens s'entendaient bien. On cherchait un endroit tranquille. On était là pour... Pour faire l'amour? Oui, mais c'était la première fois. Et puis les chiens ont commencé à chamailler. Lulu, mon cocker, mordillait Ariane. Comme ça, pour jouer. Et puis, je sais pas, elle est devenue folle et elle a tué Lulu. Avec Mamoré, on a essayé de les séparer. C'est là que Ariane m'a mordu. Est-ce que tu sais si le père de Mamoré dresse son chien à l'attaque? Oui, Mamoré me l'a dit. Son père dit que comme ça, il se sent protégé. Si mon père apprend pour Mamoré, il va me tuer. Merci de vous être déplacé si vite, monsieur Bardin. Vous savez, là où je bosse au cimetière, personne ne m'attend. Hein. Tenez, asseyez-vous. Bien. Donc, vous êtes sûr que la personne que vous avez eue au téléphone hier et que vous avez vue, c'est ce jeune homme? Bien sûr, il m'a dit son nom, Cyril Morvan. Il voulait vérifier quelque chose au cimetière. Dites, vous donnez toujours des primes en échange de renseignements? Quelle prime? Bah, quand on fait avancer l'enquête. Bah, dites-nous plutôt ce que vous savez, monsieur. Ben, le jeune homme voulait savoir où son père, Claude Morvan, était enterré. Je lui ai dit qu'il y avait bien une Ursule et un Philémon Morvan au cimetière, mais pas de Claude. Ça fait presque 20 ans que je suis là, je sais quand même qui est-ce qui dort chez moi. Hein. Et vous lui avez montré la tombe? Ah oui, pour qu'il vérifie. C'est la tombe de ses grands-parents. Mais il a bien vu que son père n'était pas enterré là. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a découvert ça? Il a eu l'air choqué. J'ai pas compris, il est parti en courant. Dites, c'est quand même moi qui l'ai retrouvé, le gosse. C'est combien pour ce genre de renseignement? Mais vous croyez où, là, au Far West? Le devoir civique, ça vous dit quelque chose? Non? Eh ben, vous allez chercher dans un dictionnaire. Merde, alors c'est bien la peine de vouloir rendre service. Chienne de Yabi dressée au mordant, elle a dû s'énerver. Je vais appeler la fourrière. Je suis con, j'aurais dû insister avec Mamoré. Attends, tu es pour rien, moi non plus, j'ai rien vu. On va dire ça à Franck. Pendant que vous étiez dans la chambre, M. Garbet a reçu un coup de fil. Il est parti furieux en criant « Je vais lui faire la peau, à salaud ». Une merde. Merci. C'est dingue, à l'état civil, Claude Morvan n'est pas déclaré décédé. Et moi, j'ai eu la sécu, pas de trace de Morvan non plus. Il y a pas 36 solutions. Hein. Soit il est à l'étranger, soit c'est un clodo qui vit sous les ponts sans couverture sociale, soit il est mort, comme le dit Laetitia Charron, mais pas déclaré comme tel. Elle l'aurait fait disparaître? Et c'est qui, l'autre coup de fil du môme? Elle a appelé une certaine Estelle Garadet, mais à vrai dire, c'est à sa fille Cathy Garadet que Cyril voulait parler. Où on peut la trouver, cette Cathy? Sur les marais chauds d'après la mer, là où elle tapine. Une pute? Je vais envoyer deux bleus dans le coin. Entre deux clients, on sait jamais, on va peut-être la retrouver. Bon. Je vais chercher Laetitia Charron. Je vais rendre compte au grand chef. On va réinterroger Madame Charron, il se peut qu'elle nous cache quelque chose. Le père de Cyril était peut-être un voyou, un escroc, elle voulait pas qu'il le sache. S'il est vraiment mort, reste à savoir comment. Ouais, c'est vrai que c'est troublant. Hein. Bah écoute, tiens-moi au courant qu'on prévienne le SUB au cas où, quoi. Agathe, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Voilà, je me suis énervé bêtement. Et... Je vais te dire, Franck, tes problèmes d'enfant gâté, j'en ai rien à foutre. Que t'assumes pas d'être né dans une famille de bourges, ça te regarde. Par contre, ce qui me débecte, c'est que ça rejaillit sur tout le personnel. Ici, c'est un commissariat, c'est pas le cabinet d'un psy. Moi, quand j'ai des problèmes, je fais chier personne. Alors maintenant, j'ai une disparition sur les bras. Si tu veux que le travail soit fait, j'aimerais autant disparaître. Bah va alors. Il y a un problème. Monsieur Garbet est devant chez son voisin Oyabi et menace de tuer le gosse et le pitbull. Oh putain. Le Fournier, il est où? Merde. C'est pas vrai, ça.
Chloé, c'est quoi ce bordel là? C'est rien. Imbécile, mets-toi au volant. Ok, je vais. Vous pouvez pas la mettre dans la cour au moins? On va essayer. On va la pousser. Le frein, crétin. Oh. C'est bon. Garbé a un fusil de chasse et des munitions. Il a déjà tiré dans la porte du voisin. Il veut descendre le gosse et le pitbull. Il est déjà rentré dans l'appart? Non, la porte a résisté. Mais je sais pas ce qui se passe dedans, on vient d'entendre le gosse hurler et le chien aboyer. Alain, tu bouffes le quartier, t'appelles la préfecture qui nous envoie le raid. En attendant, on peut peut-être essayer. Qu'est-ce que tu vas attendre encore? T'as pas assez merdé comme ça pour aujourd'hui? Un forcené qui veut tuer un môme, c'est une mesure d'urgence. En attendant, on fait quoi? On se croise les bras? À part l'entrée principale, il y a un escalier de service? Oui, venez voir. Il donne sur le palier où est Garbé. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voir l'escalier de service. C'est à quel étage? 8e. Ok. Bon, je monte par là, tu prends le palier. Je tire la peau! Sors de là, les gros! Bouge pas, toi! Bouge pas ou je tire! Faites pas le con, Garbé, je vous veux pas de mal. Je vous jure que ma mère a rien fait, c'est Charlotte qui me l'a dit. Tu m'as enculé! Je t'avais dit que je le crèverais! Eh ben je vais le faire! Et puis toi avec si tu bouges! Si vous tirez, vous irez en tôle. Et votre Charlotte, qui est-ce qui va l'élever, Garbet? Petite fille, il va payer le négro! Fous le camp, je tire! Tu es un flic, c'est 30 ans, Garbet. Tout ça pourquoi? Parce que Charlotte est amoureuse de ma mère? Quoi? C'est elle qui me l'a dit. Il s'aime, Garbet, que ça vous plaise ou non. Mais ma fille sortira avec un nègre! Vous voulez vérifier? Prenez mon portable. Allez-y. Appelez Charlotte à l'hôpital. M'embrouille pas, enculé. Allez, Garbet. Vérifiez au moins, Garbet. Appelez Charlotte avant de tirer. Putain, Mamoré! Il est en train de se vider de son sang, il en a pour 5 minutes. J'appelle le SAMU. Ouais, il y a une manif à République. Il sera mort avant qu'ils arrivent, on l'emmène. Mais façon, c'est la procédure, s'il meurt dans la bagnole, on nous tournera. Je me fous de la procédure, j'ai déjà merdé une fois sur cette enquête. Je merderai pas deux, on l'emmène. 1, 2, 3, allez. Prévenez l'hôpital qu'on arrive et appelez la fourrière qui se pointe avec un veto et une seringue hypodermique. Enfin, pourquoi tout ce mystère? Mon fils n'a pas eu un accident. S'il vous plaît, Bernard, il ne lui est rien arrivé? Rien. Voilà, ma fille. Ce soir, vous serez dans votre petit nid douillet. Elle est où, la vignette du contrôle technique? Oh, parce que vu l'état de la voiture, vous avez dû le faire, non? Et tu l'as fait, mon fils. Elle est où, la vignette, Aziz? À la maison, j'ai oublié. Ah oui, mais si on vous arrête? Moi, j'ai pas le droit de vous laisser conduire comme ça. Tu as entendu? Allez, va la chercher, imbécile. Au métro, crétin. Bon, ça y est, c'est chargé. C'est cool. Merci, mon oncle. C'est cool. Mamoré. Est-ce qu'il va s'en tirer? On espère. On l'amène en salle d'opération. C'est pas possible. Ariane est tellement gentille.
Où est-ce qu'elle est? À la fourrière, en attendant d'être euthanasié. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Yabi, il ne fallait pas le dresser au mordant, c'est interdit, votre chien est dangereux. Attendez, attendez, si Ariane a mordu Mamoré, c'est à cause de ce salaud. C'est Garbé qui l'a excité. Putain, Yabi, réveillez-vous. Dresser votre chien à l'attaque va vous coûter 50 000 francs d'amende et 6 mois de prison. Vous feriez mieux de penser à votre fils. Tiens, en fait, avant que j'oublie, il y a deux motards qui sont arrivés pour toi de la préfecture. À mon avis, c'est ta promo, ça. Je vois où on est, le gosse. Enfin, vous allez me dire ce qui se passe? Comment est mort le père de Cyril? Je vous l'ai dit, un accident. Un accident de voiture. Alors comment se fait-il qu'il ne soit pas déclaré décédé à la mairie? C'est parce que... Non, je vous ai menti. Claude... Le père de Cyril était quelqu'un de mauvais, il m'a fait beaucoup de mal. Heureusement, un jour, il a disparu. J'ai jamais pu dire la vérité à mon fils. Pourquoi vous voulez savoir tout ça? Parce qu'apparemment, votre fils aussi le recherche. On sait qu'il est allé sur la tombe de ses grands-parents hier. Il voulait savoir si son père était enterré là. Ça va pas? Vous voulez un verre d'eau? Madame Charon, on nous a dit que Cyril avait été très choqué en apprenant que son père n'était pas enterré là. Pourquoi? Est-ce qu'il a découvert quelque chose que vous nous cachez? Madame Charon, qu'est-ce qui est arrivé au père de Cyril? Qu'est-ce que votre fils a découvert? Laetitia, Madame Charon, il est normal qu'on se pose ces questions. Dites-nous où il pourrait se cacher, ce Claude Morvan. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Pas grand-chose. Il cherchait sa voie. Ses parents sont morts jeunes. Il dépensait l'argent de l'héritage. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il me l'a laissé. Madame Charon, un type qui vous fait du mal disparaît en vous laissant, sûrement par bonté d'âme, sa fortune. Et votre mari, bien nanti selon nos renseignements, meurt d'un cancer il y a un an. Avouez que ça fout les jetons de vivre avec vous. Enfin, vous êtes odieuse. Vérifiez si mon mari n'est pas mort d'un cancer. Madame Charon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est Claude Morvan. Il est mort. Comment? Je l'ai tué. Quand? Il y a 16 ans. On a retrouvé Cyril sur les maréchaux. Justement, ils sont engueulés avec Cathy. Qu'est-ce qu'il voulait, Cathy? J'en sais rien, je tapinais tranquille et vous me faire chier. Cyril, pourquoi tu voulais la voir? Pour tirer un coup, c'est de son âge. Bon, j'y retourne, j'ai pas fini ma journée, moi. Ouais, le tapin, c'est peut-être toléré. On a encore les moyens de t'emmerder. Alors, pourquoi il voulait te voir, Cathy? Alors, tu préfères qu'on parle de drogue? J'ai rencontré Claude Morvan, j'avais 16 ans. Ma mère m'avait foutu dehors et lui, il m'hébergeait gratos. C'était un mec bizarre, efféminé. Je croyais même qu'il était pédé, c'est à peine s'il pouvait bander. Enfin bon, il avait du fric, il voulait un gosse, alors on en a fait un. Cyril. Et après? Après, j'ai rencontré un autre mec, un enculé, qui m'a fait faire le trottoir. J'ai laissé le gosse à Claude, j'en voulais pas. C'est le livret de famille de Cyril. Il y avait que ça sur lui. C'est avec ça qu'il a retrouvé ma trace. Ma mère habite toujours la même adresse. Regarde le plus dingue. Qu'est-ce que tu lis, là? Eh, je veux pas hériter du gosse, moi. C'est ce pédé de Claude qu'on voulait, il avait qu'à l'élever. Ça y est, vous avez compris. Cyril avait besoin de se livrer pour refaire sa carte d'identité. Il a dû le trouver dans mon secrétaire et moi, j'ai pas pensé à ce qu'il découvrirait. Il y a tellement longtemps que je suis plus un homme. Ouais. Je suis une déesse, comme on dit, une transsexuelle. Enfant, déjà, je me sentais tellement différente. Tous les matins, je me précipitais dans le miroir pour voir si je m'étais pas transformée. Je pouvais pas savoir ce que c'est que de vivre avec un sexe qui n'est pas le vôtre. Sentiment de dégoût.
À 20 ans, j'ai entamé ce qu'on appelle le processus de réassignation hormono-chirurgicale. Fallait qu'on m'opère. Sinon, je serais morte. Je croyais que c'était difficile de changer son état civil. C'était impossible, même. Jusqu'en 92. Vous savez, la France est le pays des droits de l'homme. Enfin, la Cour de cassation a fini par statuer pour mon changement d'identité. C'est pour ça qu'en marge de mon nom Claude Morvan, il y a mon prénom, Laetitia, et mon nouveau sexe, féminin. Mais c'est criminel de rien avoir dit à Cyril, non? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je l'aime plus que tout au monde. C'est comme si je l'avais conçu moi-même. Je suis sa mère. Est-ce que votre mari était au courant? Oui. On s'était tout dit avant le mariage. Il m'aimait. Il ne m'a pas jugée. Il avait l'habitude de dire « Ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est la femme. » Je ne suis pas sûre que Cyril comprenne ce genre de subtilité. Je vous en prie. Allez lui parler. Dites-lui que je l'aime. Qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Putain, c'est dégueulasse de m'avoir fait ça. Je suis pas une tante, moi. J'ai jamais eu envie de me taper un mec. Ce que vous avez ressenti, lieutenant, n'a rien d'abject. C'est simplement un sentiment fort et naturel pour une femme. Mais je vous demande ni d'accepter, ni de comprendre. D'ailleurs, comment pourriez-vous comprendre? Vous n'êtes qu'un homme. Salut, beauté. T'es déjà arrivé? Ouais, je suis venue. Plus tôt, vous manquiez trop. Vous m'en racontez pour le moment. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Sa mère me supplie de lui parler, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis pas une môme, moi, je suis pas une mère. Et maintenant, il en a deux, le môme. Une prostituée et une transsexuelle. Laisse parler ton cœur. C'est la seule façon de pas se planter. Merci, ça va m'aider. Remarque, je la comprends, la mère. C'est important, la parole d'un tierce, pour éclaircir ce méli-mélo dans la tête du gamin. Mais je suis pas psy, moi. Bah ouais, mais si la mère t'a demandé de le faire, faut que tu le fasses. Tout va bien, monsieur Yabi, votre fils est tiré d'affaire. Monsieur Yabi, vous pouvez remercier le commandant Fournier. Sans lui, ma morée... Buenamao. Écoute, je comprends que ce soit un choc pour toi. Mais il faut que tu saches, Laetitia, elle t'aime plus que tout. C'est pas ma mère. Je comprends que tu sois en colère, tout le monde le serait à ta place. C'est normal que tu lui en veuilles. Mais même si c'est difficile à admettre, tu dois savoir que la seule personne qui t'aime comme une mère, c'est elle. C'est pas ma mère, c'est mon père. Mais si, Cyril. Dans son cœur, Laetitia, c'est ta mère. Et dans le tien aussi, ça devrait l'être. En tout cas... Réfléchis bien avant de la rejeter. D'accord? Tu me donnes les clés, ma fille? Les clés... À les clés de l'appart, pour rentrer. Souvent, j'ai fait le coup. On pique tout ce qu'il y a chez les gens et après, on se tire. Oh. Thank you.
J'ai laissé repartir Cathy. Étant donné le vide juridique en la matière, avoir deux mères, il est préférable que la justice ne mette pas son nez dans vos affaires. En tout cas, pas avant que Cyril en ait décidé autrement. Merci, capitaine. Au revoir, lieutenant. Tu sais, c'est des conneries ce qu'a raconté Vincent. J'ai jamais couché avec. T'aurais dû, c'est une fille formidable. Agathe, je peux te parler une seconde? Je voulais dire que je trouvais ça bien que t'aies laissé filer Madame Charbon et son fils. Enfin, je veux dire, sans la revoir collée. Hein. La juge au cul, quoi. Voilà, je trouve ça bien, vraiment. Merci. Et puis, pour tout à l'heure aussi, t'as bien fait. Je méritais tout ce que tu m'as balancé. Je suis un vrai connard. Je crois que j'ai été un peu loin. Je voulais pas te blesser. Merci à vous d'être venu. Alors, votre formation, comment ça se passe? Oh, ça va. Enfin, avec ma gosse, la vie de flic, je sais pas trop si je suis faite pour ça, moi. Ah bah, vous savez, moi, je me pose encore la question. Vincent, je te demande pardon pour ma bourde. J'ai parlé de Céline, Karim était là, mais je voulais pas. C'est pas grave, gaffer, ça fait partie de ton charme. Puis, si t'étais pas comme ça, on t'aimerait pas autant. Bon, alors, je voudrais une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Bon, le silence, quoi, silence. Alors, je voudrais féliciter pour sa promotion le commandant Fournier. Bravo, Fournier, bravo. Hein. Surtout que, selon la Mouji, vu les initiatives que vous avez prises sur cette enquête, vous méritez plus que jamais vos galons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est fermé. Si c'est pour une plainte, il faut aller voir ailleurs. Non, monsieur le commissaire. C'est ma famille, c'est Mouloud et Aziz. Ouais, ils sont là pour moi, patron. Ils m'ont aidé à emménager dans mon nouveau studio. Et il est vraiment mignon ton studio. Vous allez être comme deux cocons pattes tous les deux. Ouais, n'écoutez pas, il est roulou, mon oncle. Ouais, c'est vrai, il se trompe. On n'est pas du tout. Votre vie privée ne me regarde pas, Mathieu. Allez, offrez donc un verre à votre nouvelle famille. Et pour le commandant Fournier, hip hip hip!